Iye? Ogoko, babè? No, avon posso mica. Diru qualcosa per YouTube e bengo, babè? A presto, baci. Hi everyone, welcome to today's video. Je vous ai préparé un petit guide de survie si vous avez réservé vos vacances en Corse. As is the case for many people, il y a déjà beaucoup de monde pour la saison, pour une fin mai. I'm going to teach you a few phrases you may hear, histoire d'avoir les bases en compréhension au moins. Try this at home if you want to practice, si vous voulez vous essayer et vous entraîner à la maison avant de pratiquer sur place. By all means do. Hopefully at the end of this video you will have like a mini conversational guide. So take it as your first foray into Corsican language, your first lesson. La toute première leçon, un kit de survie en d'autres termes qui vous permettra de comprendre les conversations environnantes si vous avez la chance de passer vos vacances en Corse. But first, two things. Deux remarques liminaires before we start. Prima di cominciare, we use the vowel O a lot, and I'll explain how. I say we because I'm Corsican. So Corsa e parlo corso. Ce qui ne va pas forcément de soi, hélas. I think few people speak Corsican, and that's a pity. We need to speak the language more. Parler de la langue, c'est bien. La parler, c'est encore mieux. Meglio ancora, se la parliamo. L'utilisation intensive de la voyelle O, c'est un fait. Then another important thing. Altra cosa molto importante, intonation. Intonation is everything. L'intonation fait tout, vous allez le comprendre au gré des expressions que je vais utiliser et des variantes induites par l'intonation. Commençons par le commencement, les salutations. How you greet someone. I often start my videos with this word. Salut a tutti, hi everyone. Salut est donc une façon basique de saluer, salut. But there's another way you can greet someone. And that's with the vowel O. Et c'est ce que j'ai fait dans l'intro. O suivi du prénom de la personne que vous saluez. Ça marche aussi. Cette voyelle, c'est vraiment la base, le début de beaucoup, beaucoup de palabres. On va dire que c'est tout sauf l'oméga d'une conversation, puisque vous pouvez la commencer de cette façon. O Laurence, O Pauline, O François. To translate into hey, or to say good morning, buongiorno. Ça, c'est le bonjour basique. Le bonsoir maintenant, bon azer, good evening. Here's for the very start of any conversation, basically. And what you're very likely to hear right afterwards is Babe, how are you doing? Ça va? Petite remarque concernant cette expression, Babe. Selon l'intonation, elle veut dire nombre de choses très très différentes. If you say that to greet somebody, Babe, how are you doing? That's okay. But say if you're upset, it's gonna sound more like hey, babe. Like hey, calm down, alright? Or it's okay, ça va. Et là, vous voyez que ces deux petits mots revêtent une signification tout autre. Babe is also used as a synonym for okay. On utilise babe pour acquiescer, c'est un peu un synonyme de d'accord, très bien, ça va. Prenons un exemple concret, let's take an example. Someone says, compra o bane. And you answer babe, it means you're gonna do it. I'm gonna do it. Alright, ok. Si maintenant vous le prononcez avec l'intonation qui va suivre, babe, it means you're really surprised about something. Là, c'est plutôt pour manifester un grand étonnement. Si l'étonnement est teinté d'agacement à présent, you can say piombo. Ça veut dire du plomb. Ça plombe un peu la conversation, c'est le cas de dire. Say you eat at the restaurant and the bill is quite expensive. You're gonna hear piombo. Like, wow, it's expensive. Piombo. Eh ben, mamma mia in italiano. Dopo babè, after this phrase, the person talking wants to know what the other person is up to. Qui fage? Qu'est-ce que tu fais de beau? Ça serait un développement naturel et logique, on va dire. If you hear Odi Daily, this means come on, guys. L'intonation et l'expression dénotent un certain degré d'irritation, vous l'aurez compris. This is used to voice your impatience at something. Tidili meaning children, but here you use children as a synonym for guys, referring to your friends.
Dans ce contexte, le mot ne renvoie pas à l'enfance. Un autre terme que vous entendrez beaucoup, notamment dans la bouche des plus jeunes, you're gonna hear this a lot, and I think it's safe to say it's groundbreaking. Je m'explique tout de suite. If you hear Ofrade, it doesn't mean you're talking to one of your brothers. Frade is short for fratello, meaning brother. It doesn't mean you're talking to a man. Encore sont faits de l'unisexe depuis un petit moment déjà, parce que frade ne renvoie pas donc simplement à un homme. Les filles s'appellent comme ça entre elles. It's like, hey dude. On s'adresse comme ça à des filles également. So it's totally genderless. And it's been used this way for a few years now. Way before inclusivity mattered. Un discours inclusif bien avant l'heure. En fait, frade dans ce contexte renvoie simplement à notre fraternité en tant qu'humain. A genderless brotherhood, if you will. Et voilà, here we are. On arrive à la conclusion de cette vidéo. A few more things you're gonna hear or say, depending. Qui sait, selon votre degré d'audacité. If you wanna say you're done with something or you don't want something, awa basta. C'est tout, ça suffit. Don't forget to thank people. N'oubliez pas de remercier Arengradiabi, if you don't know the person, si vous la vous voyez, or Arengradiat, if it's a friend. In English, you don't have the same problem because you use you in both cases, but just saying Arengradiabi or Arengradiat. When you want to say goodbye now, you can say Abeji, au revoir. Shala Adavila, you take good care. Or if you're talking to just one friend, Shala Dila. Donc différence plurielle, Shala Adavila. Portez-vous bien ou bien porte-toi bien, Shala Dila. You have a nice day. Ti preguna bona jornada, bi preguna bona jornada. Je vous souhaite une bonne journée. Et on n'oublie pas les bisous, not the French kisses, the Corsican ones. Bye, Gilles.